Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Avatar Frontier of Pandora. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un chasseur disparu. Donc, me voici parti à sa recherche. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et bon visionnage! À nos côtés. S'il te plaît, ne prends pas de risques. Trouve-le et ramène-le. C'est pourquoi tu viens. Je veux t'aider ou me surveiller. Et Tuwa t'envoie. Elle veut s'assurer que je ne vais pas dire à Katnat qu'elle désobéit. Et Tuwa s'inquiète seulement pour Itu. Une vraie Sarentu. Toujours diplomate. Je l'espère. Un jour peut-être. Peut-être aurons-nous besoin de ta diplomatie. Nous ne sommes pas des guerriers. Et j'ai peur que nous soyons allés trop loin. Que s'est-il passé? Ceux qui viennent du ciel se rapprochent. Alors nous les repoussons. Mais seulement nous trois. Pour que Katnat ne s'aperçoive de rien. D'habitude, tout se passe bien. Très bien même. Nous rentrons à la maison, nous célébrons. Mais cette fois, Itu n'est pas revenu. Il a besoin de moi. Je dois y aller. Laisse-moi t'accompagner. Je vais refaire notre parcours. C'est trop loin sans Ikran. Je peux le chercher. Zomé et lui sont peut-être plus proches que tu ne le penses. Peut-être. Il a un refuge près des colonnes de pierre, plus bas. Cherche une grotte au pied de la falaise. Prépare ton équipement avant de partir. Ceux qui viennent du ciel se déplacent en meute. Et utilise les grosses feuilles pour amortir ta chute. Mère doit apprendre à tenir sa langue, sinon ça risque de mal tourner. L'oreille a dit qu'elle voulait observer ceux qui viennent du ciel et les regarder, farfouiller. L'oreille ne veut pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Mais tu connais bien ceux qui viennent du ciel. Nous avons une autre visiteuse parmi les Aranahe. Nous, non. Lopé vient parfois commercer avec nous, mais personne ne sait où elle vient. Elle est aussi audacieuse que toi. Nous ne pouvons pas ignorer la guerre. On ne sait jamais combien de temps elle restera sur la passerelle des Ikran avant que l'aventure ne l'appelle à nouveau. Et toi, tu devrais agir comme une Tsahi, pas comme une guerrière. Ah, tu es la jeune Sarentu dont j'ai tant entendu parler. Je t'en prie, viens.
possible de dire des trucs un minimum intéressants. Je crois qu'il va falloir que je nettoie mon arme plus tard. Pas d'autre chose pour changer. Des arcs contre des flingues. Ils sont sérieux. Les enfoirés ! Je me repositionne. C'est notre lune maintenant. On dirait que c'est ici. Un repas. À peine entamé. Je me demande si... Non, c'est pas ça. Je ne pense pas. Iitu est venu ici. Quelqu'un ou quelque chose l'a interrompu avant son repas. Peut-être lié à... Non, c'est pas ça. Un Ikran s'est battu ici. Sa bride a lâché dans la lutte. Il est sorti en grimpant. C'est peut-être lié à...
Un Na'vi a combattu la RDA. Il s'en sortait bien, jusqu'à ce que son arc se brise. Il a dû s'enfuir. Iitu a atterri avec son Ikran, Zome. Ils ont combattu la RDA. Ils ont été piégés dans cette caverne, mais sont parvenus à s'enfuir. C'est du sang d'Ikran. Je peux suivre sa trace. La RDA. Je dois me dépêcher. Merci pour ces cadeaux. J'ai perdu sa trace. Merci pour ces cadeaux. C'était elle, par là. Tuer si je fais rien.
Laissez-moi sortir. Itou, c'est moi, ton apprenti chasseuse. Sarento, comment m'as-tu retrouvé? Itou m'a envoyé t'aider. Au moins, tu as mis en pratique mes conseils. Fais-moi sortir d'ici. La porte est coincée. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Doucement. Dépêche-toi, ça ne marche toujours pas. Je devrais pouvoir entrer maintenant. Je crois que c'est bon. Cet oiseau nous a pris au piège. Je suis désolée. J'essayais de te faire sortir. Mon écrane, Zomel, est-elle... Elle va bien. Elle m'a aidée à repousser la RDA. Les Sautoutés nous ont séparés et m'ont piégé ici. Je les entendais l'attaquer et rire de ses souffrances. Ils tuent pour le plaisir. Nous devons sortir d'ici avant que les renforts arrivent. Oh, oh ! Il faut que je la rejoigne. Je sais. J'ai essayé d'ouvrir ces mâchoires métalliques au sol, mais je n'y arrive pas. Les flammes, recule! C'est pas vrai! Il faut que j'arrive à ouvrir ces portes! D'ici.
Est-ce que ça va? Nous avons échappé d'un rien à l'oiseau de métal, Sarentu. Il faut frôler la mort pour ressentir la vie. C'est pas passé loin. Je te remercie, Elanai. C'est Zomé qui nous a sauvés. Elle doit être une légende parmi les Ikran. Ensemble, rien ne nous effraie. J'ai vu ce monstre de métal lui tirer dessus pendant qu'elle le déchiquetait. Je vais aller raconter à Etuwa ce qu'elle a manqué. Itou, tu es blessé. Laisse-moi t'aider. Ce n'est rien. Je vais appeler Zomé et repartir. Je n'aurais jamais dû la laisser. Elle est seule et blessée. Elle ne peut pas être bien loin. Zomé est forte et courageuse. On va la trouver, ensemble. Il le faut. Tu n'as pas encore de lien, Sarentu. Tu ne peux pas comprendre. Parle-moi. Ce lien est unique. Tu voles et penses à l'unisson. J'espère connaître un jour le même lien qui t'unit à Zomé. Je te le souhaite très sincèrement. Je crois que je l'ai entendu. Par ici! Comment est-ce que tu l'as choisi? C'est elle qui m'a choisi. C'est comme ça. Elle m'a fait confiance. Je ne peux pas la perdre maintenant. Itou! On devrait s'arrêter. Non! Zomé a besoin de moi. Repousse-toi! Continue de la chercher, retrouve sa piste. Je te rejoins. Viens vite, je l'ai trouvé. Zomé. Mais qu'est-ce que ces sauvages t'ont fait, ma belle? Je suis là, maintenant. Laisse-moi partager ta douleur, Zomé. Laisse-moi t'aider. Nous devons rentrer, Zomé. Tu dois te battre, afin que nous rentrions ensemble. Allez, bats-toi. Tu dois tenir. Ne me laisse pas. Reste. Pardonne-moi. Mais on peut la sauver, n'est-ce pas? Retourne auprès d'Ewa. Nous volerons à nouveau, de l'autre côté. Ma sœur.
Je suis arrivée trop tard, Eitu. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Va dire à Etua et Vefilou que je vais bien, grâce à toi. Le dernier vol de Zomei doit être honoré. Peut-être le ferons-nous ensemble à mon retour à l'arbre maison. Je vais te laisser seule. Naïtu occupe toute l'attention. Tu es de quel clan ? Et Touwa devrait être plus avisé. Et me voici arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, histoire assez sympa, un peu émouvant quand même. J'essaierai de faire quelques missions annexes entre deux, hein. Je les montrerai pas tous en vidéo parce qu'il y en a tellement à faire. Donc je me concentre plus sur la mission principale pour les vidéos que je poste sur YouTube. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus !